Hey, bande de troutrouf, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vais vous montrer un peu où j'en suis. Donc ici, par exemple, j'ai un dragon que je me suis offert en game mode, bien sûr, parce que j'avais pas envie de farmer de trucs pour ça. Mais sinon, pour le reste, la plupart du temps, ben, pour les autres choses, ça va, quoi. Donc vous voyez un peu ce que j'ai ici, hein. Il n'y a pas grand-chose. Donc je voulais... Ah ouais, mais c'est un peu trop rapide. Donc je voulais vous montrer un peu donc, où j'en suis au niveau de ce jeu. Donc comme vous avez remarqué, j'ai pu enfin installer des shaders sur cette version-là, qui est en fait la 1.6.4. Donc c'est y a vraiment blindé de mobs, quoi. Option... C'est dommage, ici on ne sait pas accéder au truc comme ça. Mais en fait, il faut quitter le jeu. Et en fait, là, vous savez voir qu'il y a tout ça comme mode, quoi. Oui, comme vous voyez, il y a beaucoup de modes. Et en tout, il y en a 117. Et un en plus que j'ai mis pour les shaders, sinon, vous n'avez pas de shaders. Donc voilà, c'était une information. Si vous voulez les shaders, il faut les mettre vous-même. Donc voilà, ici vous avez un bug de joli bug de chargement ici. Voilà, laissez charger tout ça. Hop, voilà. Vous avez un magnifique dragon qui est là en fait. Donc je peux le faire lever, hein. Mais ça je vous montrerai après. Ce que je vais vous montrer, c'est les minions. Parce que du coup, j'avais déjà fait une vidéo avant, mais le truc, c'est que j'ai recommencé. Donc, comme j'ai dit, bah, du coup, j'ai les shaders qui sont installés, c'est youpi. Alors. Je vais vous montrer. Où sont les minions? D'abord, on va leur dire qu'ils poseront tout là. Tout simplement. Donc, ils vont faire la simulation, mais ils vont rien faire de spécial. Donc moi du coup ce que je vais faire c'est que je vais aller ici, hop. Je vais tout simplement leur demander Nick Crafty. Je sais pas. Je vais leur demander un truc comme ça, quoi. Faut un peu attendre que le truc apparaisse. C'est un peu long. Ah, c'est petit. Peut-être un peu plus grand qu'un. Ah. Oups. J'ai fait n'importe quoi. Ok, donc on va recommencer. Ça sera suffisant. L'idée de faire ça par ici. Sais pas qu'est-ce qu'il y a par là. Peut-être que je vérifie ce qu'il y a par là. Si je me trompe pas, mais je pense qu'il n'y a rien là. Non, je laisse go. Et du coup, ils vont tout simplement miner là et ils iront mettre quoi, ce qu'il y a en trop en truc. Donc je peux même, par exemple ici me mettre en abeille pour un peu regarder. Tout, tout, tout. Alors, pour information. Ce qui est bien avec ce que j'ai là. Et que les shaders fonctionnent même avec ce truc. Apparemment, on arrive à la fin du cycle, mais ici, je vais faire exprès de faire un slack time 7D parce que je vais pas me coucher maintenant. Donc, on va le remettre au début. Mais comme vous voyez, les shaders fonctionnent nickel. Et du coup, vous voyez que les minions. Ils sont occupés de travailler. Et c'est trop cool.
sont en train de se téléporter, ils font tout et n'importe quoi. Du coup, c'est un peu comique. C'est très très rigolo. Donc ça, c'est pour les mignons. Donc on va les laisser taffer, tu vois, on va les laisser faire, c'est pas un problème. Ils font de la récolte. Il y en a déjà eu qui ont fait de la récolte, voilà tout ce qu'ils ont récupéré. Donc c'est pratique, ça aide bien. Comme vous voyez, il doit être un peu buggé, mais bon, c'est juste ça. Et pourtant, je suis bel et bien en abeille. Mais c'est juste que l'eau est un peu le bug. Donc si je vais aller sur mon dragon, ben, il faut que je me retire du mode abeille, hein, du coup, à ce moment-là. Hop. Et d'ailleurs, je vais vous montrer un truc. Hein, c'est que, regardez l'eau. Il y a un petit bug. Mais dès que je vais me mettre en mode... Non, mais non, pas ça. En mode normal, vous allez voir que l'eau va redevenir transparent. Voilà, vous voyez, c'est lié au bug du truc. Bon, voilà, c'est pas très, 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 très grave. Donc, voilà, là, vous avez mon dragon, mon magnifique dragon. Donc, je peux le lever. Du coup, il va me suivre partout où je vais. Vous voyez? Il va me coller où je vais. Ça, c'est trop swag. Je peux aller dessus. Je peux le faire voler. Voilà. Regardez par vous-même. Ah, c'est pas le swag, ça, hein? Comme dans Skyrim, etc. Je sais même pas si dans Skyrim on peut faire ça réellement, mais voilà. Du coup, vous pouvez le faire avancer comme ça, tout simplement, et le faire voler. Pour information, le mode en question qui fait ça, c'est Dragon Mount, un truc comme ça. Dragon Mount. Ça a ce genre de nom. Et du coup, voilà, c'était pour vous montrer un peu ça. Le petit bémol qu'il y a avec ça, c'est que je ne sais pas encore, en effet, comment on fait pour descendre, en fait. Parce que ici, en fait, je ne sais pas du tout comment on fait pour descendre. Donc, pour nous tous, ben, en fait, il suffit de faire ça. Et du coup, tu as peut-être un peu un dégât de chute, quand même. Voilà, il y a une technique, c'est ça. Tu descends comme ça, quoi. C'est un peu mal foutu, je trouve. Mais bon, voilà, c'était la petite vidéo pour vous montrer ces choses-là. Donc ici, je vais me remettre normalement. Et je vais surtout dire à mon dragon de me suivre hors de l'eau et le mettre là où il doit être. Donc comme vous voyez, il y a mes personnages qui font des trucs de map. Voilà, les laisser continuer, ils sont très très rigolos. Donc on va par là. On va de retour dans cette zone là. Ah, mon dragon est coincé. Un peu de mal, mon dragon. Bon, à ce moment-là, c'est pas très grave. Il suffit d'aller chercher vous-même. Ah, ça y est. Il y a un peu de mal. Et vous le dites avec un os de se coucher. Regardez comme il est magnifique. Il est de toute beauté. Il est bien fait hein, pour un dragon en forme de carré. Oula. Il est pas mal du tout. Hein. Je trouve qu'il est vraiment quali. Arrête de pousser mon dragon, toi. Donc, il me fait rire, ce corps. Donc, je vous dis à bientôt, bande de toutruffes. Et je vous dis ciao, ciao. Portez-vous bien.